Vous savez, la situation sanitaire montre malheureusement que l'Afrique souffre encore de beaucoup de maladies qu'on appelle des maladies liées à la pauvreté, qui sont malheureusement des maladies qui ont des taux de mortalité et de létalité très très importantes et malheureusement pour lesquelles les thérapeutiques spécifiques n'existaient pas ou n'étaient pas disponibles pour les Africains. Et c'est pour ça que l'Union européenne a décidé de créer un programme de partenariat entre les pays en voie de développement et les pays développés qu'ils appellent EDCTP. Elle avait focalisé sur les maladies qui avaient une plus forte mortalité et morbidité en Afrique, c'est-à-dire le sida, le paludisme et la tuberculose en ces temps-là. Et l'idée, c'était de former justement des Africains pour être en mesure de mener des essais cliniques sur ces maladies liées à la pauvreté pour que les médicaments puissent être testés, être évalués et s'ils sont efficaces, être mis à la disposition de ces populations. Mais un effet clinique, ça, c'est extrêmement compliqué et ça nécessite beaucoup de compétences. C'est la raison pour laquelle au départ, il y avait ce partenariat, mais où on a mis beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle le renforcement des capacités, c'est-à-dire comment former les gens sur tout ce qui tourne autour de la recherche clinique. C'est-à-dire pour faire de la recherche, il faut beaucoup de conditions et toutes ces conditions, on a formé des gens pour ça et on a débuté justement dans une première phase qui était plus la phase vraiment de renforcement de capacités. Ensuite, dans une deuxième phase qui était plus la phase de renforcement de capacités, mais avec plus de collaboration et de partenariat. Et c'est cette phase-là qu'on est en train d'évaluer ici à Bamako. Et pendant 48 heures, d'abord, des chercheurs venus d'une dizaine de pays sont à Bamako pour parler de recherche. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 48 heures? Voilà, c'est même 72 heures, en fait. Ce que nous allons faire, c'est d'abord passer en revue parce que nous avons établi un plan pour ces 3 ans. Et dans ce plan-là, pour le faire fonctionner, nous avons établi des groupes thématiques qu'on appelle des work packages et nous leur avons assigné à chacun un objectif. Donc, au bout de 3 ans, nous sommes en train, presque au bout de ces 3 ans, nous avons une réunion annuelle chaque année et dans cette réunion, ce que nous faisons d'abord, c'est d'évaluer où nous en sommes, surtout par rapport aux indicateurs qui nous ont été donnés, imposés, disons, par le financier qui est EDCTP pour voir où nous en sommes et chacun dans ses work packages. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et dans toutes les composantes. Ensuite, à partir de demain, nous allons essayer de continuer, mais de faire en sorte que l'on puisse évaluer également où est-ce qu'on va aller avec pour le prochain financement, qui est un financement, bon, si les indicateurs, et les indicateurs sont bons, qui va se faire sur 5 ans en plus. Et à la fin, nous allons voir comment nous allons nous préparer, parce que des programmes comme cela ne sont pas des programmes qui sont donnés pour argent comptant. Il faut compétir et nous allons voir comment nous allons nous préparer pour compétir pour ces programmes. Voilà, ce qui est important, c'est que quand on a cette expertise de recherche clinique, quand on a cette expertise, elle n'est pas spécifique à une maladie. Aussi bien à tous les niveaux, on peut diversifier et l'idée c'est d'être préparé à justement d'autres maladies. Comme je l'ai dit, nous avons commencé par le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous y avons ajouté les maladies émergentes et réémergentes, dont Ebola, dont d'autres. Et aussi les maladies négligées, les maladies tropicales négligées. Et dans ce contexte, la plupart des institutions ont des expertises pour d'autres pathologies comme celle du coronavirus, justement. Et c'est l'idée de voir comment cette expertise, ce potentiel, on peut l'utiliser pour la réponse au coronavirus. Mais aussi, il faut dire qu'il y a d'autres réseaux
que EDCTP avait financé, qui était plus spécifique à ces maladies émergentes et réémergentes. Donc, nous sommes aussi des partenaires de ces différents réseaux et nous allons travailler avec eux pour pouvoir contribuer et apporter notre réponse. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Boubacar. Ok, parfait. C'est bon. C'est très bien. Oui. Super. Oui.